إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد. اللهم اجعل هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل في هذه الكلمات الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين، والموافقة لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك يا رب العالمين، واحفظ دينك يا رب العالمين، واهلك كل من يريد أن يدمر دينك وجنودك يا رب العالمين. إن شاء الله جبسي تفاق الفيديو على قرز الله عز وجل سا بويسانس سا برميسيون sur le sujet du complot international, des événements actuels qui se passent en Syrie, de la rencontre du G20, donc je ne rentrerai pas dans les détails, les petits détails politiques, hein, les petites informations qu'on récolte à droite et à gauche sur Internet, je parlerai toujours de manière générale, et mon objectif c'est quoi? C'est de donner certains outils aux musulmans pour qu'ils puissent comprendre à la lumière du Coran et de la Sunna ce qui se passe actuellement, et quels sont vraiment les événements qui se passent? Est-ce qu'il y a vraiment des conflits internes dans la mécréance, dans la grande toile d'araignée? Ou est-ce que les mécréants sont unis contre l'islam, contre la religion d'Allah Azzawajal? Il ne peut pas y avoir de guerre concrète si les dirigeants des divers pays qui sont en guerre se rencontrent, comme c'est le cas aujourd'hui au G20. Donc vous avez les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie qui se rencontrent donc en Russie pour discuter sur le même table, avec sourire, avec poignée de main, avec du champagne et des jus d'orange, pour discuter de l'avenir des événements en Syrie. Lorsque vous êtes en guerre, un pays est en guerre avec un autre pays, cela engage de l'animosité, cela engage des menaces, cela engage des actions militaires, des actions terroristes pour faire plier le pays avec lequel vous êtes en guerre. Donc il ne peut pas y avoir de guerre si on se rencontre et on décide des diverses actions qu'on va engager dans les futures semaines. Donc il n'est pas logique qu'Obama discute avec Poutine des diverses actions à faire si réellement Poutine, comme le disent certains, est en guerre avec l'Amérique, car il est le principal allié, l'un des principaux alliés de Bachar, comme après l'Iran. Donc c'est de bien comprendre que ceci est une grande mascarade, hein. C'est un grand jeu, hein. C'est un jeu sur un échiquier, hein. L'objectif c'est quoi? C'est toujours de combattre l'islam de la manière la plus intelligente, celle qui apporterait le plus de gains et la plus rapide, et qu'il n'y ait pas de perte du côté de la mécréance. Donc lorsqu'on parle de mécréance, il faut bien comprendre que dans la mécréance, c'est la forme pyramidale,
Vous avez une élite qui prend les décisions et vous avez la basse couche qui applique donc les décisions de ces divers États. Donc, ça dérange nullement les francs-maçons, hein, les illuministes, et pour moi c'est presque pratiquement la même chose, qui dirigent le monde. Il n'y a aucun problème pour eux si des armées doivent être engagées dans une guerre, si des armées doivent avoir des pertes, tant que les élites, ces mêmes élites, ne sont pas touchées. Voilà, c'est la règle. Hein. Ça ne dérange pas Rothschild, ça ne dérange pas le groupe Bilderberg, Goldman Sachs et toute la clique. Si l'armée américaine s'engage dans une guerre n'importe quelconque, si c'est pour le bien de la religion de Satan, si c'est pour l'hégémonie de Satan sur Terre et pour la venue du Dajjal et l'établissement du Grand Israël. Donc il faut que les musulmans inculquent ceci dans leur tête. Il faut aussi que les gens de diverses confessions, de diverses religions, arrivent à comprendre. Voilà ce qui se passe. Il y a des élites qui jouent avec les masses et qui décident des enjeux politiques dans la région du Moyen-Orient ou ailleurs. Mais il faut savoir que le principal enjeu actuellement politique et apocalyptique, c'est la Syrie. Pourquoi? Parce que c'est la région de Chem, c'est la région qui fait partie du Grand Israël, hein, qui s'étend du Nil à l'Euphrate. Et quels sont les outils qu'a Israël pour établir ce Grand Israël? Donc, elle a des puissances dans sa main, dont la Russie. Il faut savoir que le plus grand lobby juif après le lobby juif américain, c'est le lobby juif russe. Donc les juifs ont une certaine puissance en Russie. Hein, ils ont pu s'établir après la révolution tsariste, anti-tsariste, et ils ont pu donc bien s'établir en Russie. Et on sait que la principale oligarchie russe, hein, la plupart sont des juifs d'origine. Parce qu'ils sont, la plupart sont des juifs ashkénazes et non pas des juifs soit séfarades ou des juifs d'Afrique, des juifs fellachas. Donc ces gens-là décident comme ça de l'enjeu et de l'avenir, en quelque sorte, de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans, à cause de leur faiblesse, à cause de leur naïveté, à cause de leur ignorance, de la mécréance, à cause de leur ignorance de la nature de la mécréance. Déjà, Abdullah Azzam, le cheikh Abdullah Azzam, déjà, en son temps, parlait de la nature de cette religion. Tabi'a hadad-din. Et beaucoup méconnaissent la nature de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, méconnaissent l'essentiel de l'essence de la religion d'Allah azzawajal, qui réside dans le pur monothéisme, qui réside dans le conflit entre le bien et le mal, et qui réside aussi dans l'alliance et le désaveu. Et il ne peut y avoir de victoire sans une bonne alliance et sans un parfait désaveu de la mécréance. Et beaucoup de musulmans aussi subiront un massacre, malheureusement, comme c'est le cas en Égypte, comme ça a déjà été dit. Le prophète, dans un hadith, a parlé d'une destruction de Chem. Hein, on le voit actuellement en Syrie, le pays est détruit. Les musulmans sont toujours les perdants. Hein. Pourquoi? Parce que les musulmans sont écartés du pur monothéisme. Ils se sont écartés de l'unité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prônée. Qu'Allah Azza wa Jalla a dit wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, ceci est une seule communauté, adorez-moi et je suis votre Seigneur. Donc l'objectif des musulmans doit être de s'unir sous une même bannière, sous la bannière de l'islam, en délaissant bien sûr les formes d'associationnisme sur lesquelles les musulmans s'entendent. Je ne pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de divergences en vérité sur les formes d'association, à part certaines personnes qui n'ont vraiment rien à voir avec la bonne sincérité, l'ikhlas, et n'ont rien à voir avec la bonne compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense qu'on a un tronc commun sur lequel on peut s'entendre, et la communauté de Mohammed doit s'entendre. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'urgence. Là, actuellement, la religion est en danger. Il y a un grand traquenard qui est en train de se préparer, qui a déjà commencé depuis le printemps arabe. Il y a un grand piège dans la région de Chem. Hein. Les étendards d'Israël commencent à s'établir. Et ce n'est pas les étendards du tawhid comme certains le pensent. Donc les musulmans, ils ont du mal
à comprendre ce qui se passe à cause de ça, à cause de leur méconnaissance, donc de la mécréance, qui n'est autre que le talmudisme, la franc-maçonnerie, et ce sont les plus grands acteurs qui font le plus grand mal à la communauté de Mohammed, car c'est eux qui préparent l'avenue du Dajjal, hein. Et on sait le dégât que le Dajjal va faire dans la communauté de Mohammed. Beaucoup vont le suivre, malheureusement, car ils ne possèdent pas Al-Basir, la vision, pour pouvoir connaître le Dajjal et sa religion. Et ils ne pourront pas se prémunir contre les ambiguïtés que le Dajjal va utiliser pour attirer les gens à sa religion. Donc il faut comprendre que ce que vous voyez actuellement dans les médias, lorsque vous voyez des réunions du G20, c'est que de la poudre aux yeux. Ces gens-là ne peuvent pas décider ni du futur des événements en Syrie, ni des prises de position politique qu'eux-mêmes prennent. Hein, ils sont subordonnés aux décisions donc des divers groupes qui agissent dans l'ombre et qui possèdent donc le droit de veto, qui possèdent le pouvoir politique et économique pour pouvoir exercer des pressions sur ces gens-là. Hein. Vous savez très bien que lorsque vous possédez les richesses, lorsque vous avez l'argent, d'ailleurs Dajjal va pouvoir commander sur le monde car il sortira les trésors de la terre, donc il aura un certain pouvoir économique. Vous savez très bien que quand vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous pouvez facilement manipuler les gens, vous pouvez facilement décider du sort de certaines personnes, surtout lorsqu'elles sont naïves et lorsqu'elles sont ignares donc de leur sort et du cadre dans lequel elles vivent. Et il y a une chose que les musulmans ont oublié, c'est que comme il apparaît sur le billet du dollar, hein, vous avez la pyramide avec donc le petit pyramidon avec l'œil, hein, et vous avez la formule qu'on a répétée plusieurs fois dans les vidéos, annuit coeptus, coeptis. Donc c'est notre projet aboutira à terme. Voilà. Donc l'ensemble du monde, en quelque sorte, à exception près, parce que actuellement les musulmans n'ont pas d'État islamique, ils n'ont pas une puissance qui puisse s'opposer à cette toile d'araignée. Donc le monde entier, hein, œuvre pour l'avenue du Dajjal, œuvre pour cet œil qui n'est autre que l'œil du borgne. Et le prophète sallam a dit, Allah azzawajal n'est pas borgne, donc méfiez-vous du Dajjal. Et ils œuvrent pour cela. Et ils sont convaincus que ça va aboutir. Et malheureusement, vu les événements actuels qui se passent dans le monde, c'est en train d'aboutir. Hein, c'est en train d'avancer à grands pas, malheureusement. Et il n'y a personne, malheureusement, pour s'opposer à cela, même si certains essaient de s'opposer déjà de manière théorique, mais c'est jamais suffisant. Donc il faut que les musulmans reviennent vers la bonne compréhension et qu'ils propagent cette bonne compréhension. Et c'est déjà un grand djihad. C'est déjà toute chose, toute entreprise qui combattra le mal commence toujours de manière théorique. Les premières bases qu'on va poser, elles sont d'abord théoriques. Et ensuite, Inch'Allah Ta'ala, ces étincelles donneront des grands feux, Inch'Allah, qui se propageront et qui brûleront qui brûleront la paille, donc les champs de la mécréance, Inch'Allah Ta'ala. Donc, c'est cette même toile d'araignée qui est donc le nouvel ordre mondial qui comprend pratiquement toutes les puissances mondiales. Vous avez un exemple avec le G20. Donc, le G20, c'est une réunion des plus grands pays, les plus riches du monde, hein, les plus industrialisés et les plus commerciaux. Et ces réunions-là sont donc les réunions des adeptes de Satan, la réunion des illuministes et des francs-maçons qui ont le droit de veto non seulement dans l'ONU, mais en plus qui peuvent décider du sort de certains événements dans le monde. Et c'est pas parce qu'il y a des conflits internes, mais des petits conflits, que cette toile d'araignée n'est pas unie, écoutez bien, n'est pas unie pour combattre la religion d'Allah Azzawajal. D'accord? C'est pas parce que à un moment donné, la toile d'araignée a décidé de tuer Kadhafi, a décidé de tuer Saddam, a décidé de mettre hors de route Moubarak et Bachar, que cette toile d'araignée n'est pas unie contre l'islam et ne s'entend pas pour le fait qu'Allah Azzawajal ne doit pas commander et régner sur la terre.
Voilà, ça c'est leur état d'esprit. Et ils ont donc des instructeurs, et parmi les plus grands instructeurs, c'est Albert Pike, hein, qui avait déjà prédit plusieurs guerres mondiales, dont la Troisième Guerre mondiale, qui disait qu'elle se passerait entre Israël et le monde musulman. Mais vous savez très bien qu'Israël ne combat jamais de manière directe. Allah Azza wa Jalla dit La yuqatilunakum jami'an illa muhassana ou min wara'i judur. Ils ne vous combattront pas, sauf s'ils sont protégés ou derrière des remparts. Donc les mécréants, ils n'ont pas le courage de venir s'opposer directement aux musulmans, surtout lorsqu'ils sont sincères. Et surtout, pourquoi s'opposeraient-ils donc aux musulmans si parmi ces musulmans, il y a une grosse partie qui œuvre pour Israël et qui sont sous l'ordre d'Israël? Donc, vous voyez bien, lorsqu'on voit l'historique des francs-maçons, hein, la toile d'araignée, elle n'a jamais été empêchée, par exemple, de retirer, de destituer un tel chef, un président franc-maçon d'Afrique, hein, de Côte d'Ivoire ou d'autres. Hein, ça se fait souvent. Et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas unis. Voilà. Tous les chefs d'État mondiaux sont soumis à la loi de Satan, sont soumis à l'illuminatisme, sont soumis aux règles de la franc-maçonnerie. S'ils ne sont pas soumis à ces règles-là, ils ne restent pas au pouvoir. Mais qu'est-ce qui les motive? Il y a bien une motivation. Est-ce que la motivation principale, c'est une religion, c'est une idéologie, ou est-ce que c'est des intérêts terrestres? Je dirais que les acteurs de cette toile d'araignée, pas les acteurs principaux qui sont riches, hein, ont une idéologie qui est celle de Satan. Ils adorent Satan. Ils veulent que Satan gagne. Ils ont de la sympathie pour Satan et de l'amour pour Satan. Et ils adorent Satan. Comme nous, on adore Allah Azzawajal. Mais leur amour, eux, ils se font trahir par Satan, car Satan, il n'a aucune parole. Satan, il essaie de pousser les gens vers l'enfer. Une fois que les gens sont au bord du précipice, Satan, il recule et il sauve. Et Allah Azzawajal, il trahit jamais ses serviteurs. Voilà la grande, grande, grande différence. Ceux qui adorent Allah Azzawajal, ils seront jamais perdants. C'est que ceux qui adorent Satan, ils vont vivre sur Terre pendant un moment donné, ils vont profiter de certaines richesses, et ils pensent bêtement que le Dajjal viendra les faire ressortir de leur tombe et leur donnera vie. Et ils se trompent, ils finiront en enfer éternellement, et ils iront vers Satan, lui demander des comptes, et Satan dira, je n'ai rien fait d'autre que vous insuffler le mal et vous insuffler certaines actions qui sont mauvaises. Mais il n'a pas fait autre chose, Satan. Il n'a pas poussé les gens à faire le mal. Il est venu, il a fait le waswas et il s'est retiré. Et c'est comme, par exemple, si vous prenez par exemple la franc-maçonnerie, par exemple, dans la communauté musulmane, car il y a la franc-maçonnerie de la communauté musulmane, surtout à l'heure actuelle, elle est très très répandue. C'est incroyable, mais simplement les gens, ils n'arrivent pas à percevoir cette toile d'araignée. Ils n'arrivent pas à percevoir ce pouvoir qui agit de manière occulte, qui agit vraiment de manière dissimulée. On peut s'en rendre compte lorsqu'on connaît la symbolique. Si vous ne connaissez pas la symbolique, c'est très important. Vous ne pourrez pas reconnaître les acteurs du mal, et vous ne pourrez pas reconnaître ceux qui sont hypocrites et qui sont dissimulés dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, étant donné que ces gens-là sont adeptes de la religion du Dajjal, sont adeptes de la franc-maçonnerie, automatiquement, tout repose sur une symbolique, sur une numérologie et sur certains actes qui font qu'on peut les reconnaître. Et souvent, hein, je me suis aperçu de ça, lorsque vous regardez par exemple la symbolique dans beaucoup de sectes, beaucoup de groupes qui sont dans la Ummah, dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rendrez compte qu'on retrouve une certaine symbolique franc-maçonne. Lorsque vous savez par exemple que parmi, dans chaque temple franc-maçon, vous avez toujours les deux piliers, hein, et vous avez au-dessus la pyramide. Et vous avez aussi le soleil, hein, qui représente donc la naissance du nouvel ordre mondial. Donc deux fois ils le font de manière, ils dessinent la moitié d'un soleil levant. Donc vous voyez,
Ça représente la naissance, hein, du nouvel ordre mondial. Le soleil représente donc le soleil éclatant représente la venue, donc l'apparition, ça y est, du Dajjal et l'apparition de son royaume. Donc vous retrouvez cette même symbolique dans divers groupes qui se réclament du djihad, qui se réclament de l'islam. Observez bien et vous vous rendrez compte que vous retrouvez cette symbolique. J'ai observé dernièrement, même avant, dans des entraînements militaires, dans des vidéos qui se passaient en Syrie, où vous voyez les gens s'entraîner, soi-disant des moudjahidines, et pendant leur entraînement, ils formaient une pyramide. Donc je ne comprends pas pourquoi, dans un entraînement militaire, vous allez former une pyramide. Hein, c'est vraiment une pyramide. Ensuite, je me suis aperçu aussi qu'avec l'un des derniers émirs, le dernier émir de ce qu'ils appellent le gouvernement islamique, l'État islamique de Chem et du Levant, donc en Irak, hein, vous apercevrez que lui, avec ses suppôts, ils sont réunis et ils ont formé une pyramide, une petite pyramide. Hein, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont peut-être dans la photo, ils sont peut-être 20, 25, voire 30. Mais je pense qu'ils sont moins, et ils forment une pyramide. Et lui, il est devant, et voilà, il forme une pyramide. Voilà, pourquoi former une pyramide? Pourquoi former la forme du V? Hein, vous savez très bien que le V, comme ça, c'est le symbole des Khazars, qu'ils étaient des conquérants, hein, qu'ils ont accepté le judaïsme, et qu'ils ont pu se propager dans le monde. Et les Ashkénazes sont adeptes des Khazars. Hein, et ce même V, vous le retrouvez aussi sur les chars israéliens, et c'est pas pour rien. Voilà, ça représente l'esprit conquérant, donc du juif qui veut talmudiste, qui veut répandre sa religion sur la terre, la religion du Dajjal, le royaume, comme il l'appelle, le royaume de David, hein, le royaume de l'étoile à six branches. Et donc eux, leur premier objectif là, c'est quoi? C'est d'abord de s'établir sur la grande Israël, car ils considèrent que le Dajjal ne peut pas venir, l'antéchrist, tant qu'ils ne sont pas établis sur la grande Israël. Donc ils utilisent pour ça certains groupes moudjahides. Hein, et il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, parce que on ne peut pas juger comme ça les gens gratuitement sur un seul élément. Et j'ai jamais jugé les gens sur un seul élément. Alhamdoulillah Rabbil Alamin, à chaque fois que j'ai eu un doute sur un groupe ou sur certaines personnes, Allah Azza wa Jal m'a toujours fourni par la suite des preuves, car le bien, vous le sentez. Hein, les gens de bien, vous les sentez. Par contre, les gens de mal, vous les sentez aussi tout de suite. Il suffit juste de les voir, vous sentez que cette personne-là, vous pouvez pas expliquer, vous sentez que cette personne-là, elle n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Il y a des gens, ils ont des visages de barbares. Ils n'ont pas des visages du mujahid musulman qui a de la miséricorde, qui est là pour défendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils ont des visages de barbares. C'est des gens qui sont là pour faire le mal. Vous le voyez à leur visage, vous le voyez. Hein. Après, bien sûr, il faut des preuves, il faut des éléments. Et je ne peux pas me permettre, jusqu'à l'heure actuelle, et d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait, de faire une vidéo pour justement condamner ces groupes-là en citant leur nom. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore assez d'éléments, mais ça vient, alhamdoulillah, parce que grâce à Allah Azza wa Jalla, ils font des erreurs. Ils sont tellement pris dans leur orgueil, ils sont tellement en pleine frénésie, en pleine hystérie, qu'ils pensent qu'ils vont absolument aussi vite gagner, que ça y est, ils se mettent donc à faire une certaine symbolique et à essayer car les francs-maçons entre eux, ils ont des signes pour se reconnaître. Hein. Un franc-maçon reconnaît un autre franc-maçon, par exemple, même si c'est deux musulmans, pour lui faire comprendre qu'il fait partie du même bord, et ben il va inclure dans ses paroles, dans sa discussion, certains mots qu'il connaisse, qui évoquent donc leur idéologie. Et là, la personne se rendra compte qu'en fait, il fait partie du même bord. Donc, il ne fait pas partie du groupe des sincères, malheureusement, qu'aujourd'hui sont très peu ceux qui défendent la religion d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui feront partie, inshallah, de l'armée du Mahdi et qui combattront le Dajjal. Et donc dans ces gens-là qui sont donc qui combattent donc pour Israël, donc ils ont une symbolique. Et regardez bien, observez bien le signe de leur groupe, hein, leur symbole, et vous verrez la symbolique du Dajjal. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi dans le drapeau qui est censé être le drapeau du Tawhid, il y a la ilaha illallah avec un tampon, un cercle marqué Mohammed Rasoulallah à l'envers. Et il faut savoir que la politique du Dajjal, c'est l'inversion des pôles. Et la preuve, c'est pas moi, c'est la sourate Al-Kahf. La sourate Al-Kahf. Allah Azza wa Jalla nous met en garde. Méfiez-vous.
l'inversion des pôles. Et ces gens-là sont adeptes de l'inversion du pôle, des pôles. Et la preuve, et c'est pas une preuve, mais c'est des indices, parce qu'on peut pas avoir, on ne peut pas, ils nous laisseront jamais l'occasion d'avoir une preuve évidente. Ils agissent toujours comme les hypocrites, ils surfent sur l'ambiguïté. Hein. Et remarquez bien qu'à chaque fois, lorsqu'ils marquent les lampes Rasulallah, souvent ils prennent des photos, ils s'arrangent pour que les lampes Rasulallah soient mis à l'envers. C'est comme des fois, lorsqu'ils, par exemple, ils vont prendre la photo, par exemple, d'une attestation, ils vont s'arranger que ça soit mis à l'envers et jamais à l'endroit. Tout ça, c'est une politique. C'est la politique de l'inversion des pôles. Habituer les musulmans à inverser les pôles. Le bien deviendra du mal et le mal deviendra du bien. Le Mahdi deviendra le Dajjal et le Dajjal deviendra le Mahdi. Donc, ouvrez les yeux et méfiez-vous de tous ces charlatans, de tous ces gens qui s'infiltrent de la communauté de Mohammed Sassam, qui sont peut-être les adeptes, qui sont peut-être Gog et Magog, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils en ont les visages. Hein, et ils sont en plus en grand nombre. Comment vous expliquer comment, quand ça a commencé, comment ça s'est fait, comment ils ont réussi à se propager d'un coup, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ce que je ressentis, moi personnellement, c'est qu'à partir de 2012, il s'est passé quelque chose au niveau peut-être cosmique, au niveau voilà, il s'est passé, on est passé dans une nouvelle ère, voilà. Donc, et c'est par la puissance d'Allah Azzawajal que ça s'est fait, c'est par sa permission. Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala a permis que Satan descende sur terre pour essayer de nous pousser à aller en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il enlève Satan, il enlève les acteurs du mal, il enlève le Dajjal. Mais Allah Azzawajal, il a fait pour que vous puissiez réussir un examen avec succès lorsque vous avez passé votre permis. Eh bien, il y a des obstacles, il y a des sens interdits. Hein, il y a des fois des incidents, des fois il y a une voiture qui sort, vous n'y attendez pas, il y a des priorités à droite à respecter, et ainsi de suite. Et bien la religion c'est pareil. Allah Azza wa Jalla, il a mis les acteurs du bien, il a mis les acteurs du mal. Allah Azza wa Jalla, il dit Inna hadaynahu najdain. Donc nous l'avons guidé vers les deux voies. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous montre voilà, vous avez la voie droite et vous avez la voie de Satan, choisissez. Faman sha falyumin wa man sha falyakfur, celui qui veut croire qu'il croit. Et celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que beaucoup de musulmans n'arrivent pas à comprendre actuellement, dire mais pourquoi Allah Azza wa Jalla laisse faire tout ça? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, si on est dans la vérité, pourquoi ils arrivent à s'infiltrer comme ça? Pourquoi ils arrivent à... Et pourquoi il y a Gog et Magog? 99 qui vont en enfer sur 1000. Pourquoi? Pourquoi même Isa alayhi salam pourra faire contre Gog et Magog, il va se réfugier sur le mont du Thor. Donc expliquez-moi pourquoi. Est-ce que c'est une injustice d'Allah? Est-ce que vous allez dire quand ça va arriver qu'Allah Azza wa Jalla est injuste? Mais non, c'est des épreuves qui sont des examens. C'est une opportunité pour qui? Pour les sincères, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla et de gagner gros, de gagner beaucoup, inshallah ta'ala. Même si certains essaient de nous montrer que tu as choisi le mauvais camp, tu as choisi le camp, le petit camp comme ça qui est infime, qui représente rien, qui n'a aucune force, aucune puissance pour l'instant. Et t'es pas intelligent, t'es bête. Parce que bientôt il y aura le royaume de David, le royaume, pas le vrai David, pas le vrai Daoud, le pseudo David, le royaume du Dajjal. Hein, et tu vas voir, toi, un tel Ménad ou un autre, tu vas voir ce qu'on va te faire, on va se venger parce que tu as une grande gueule, tu oses t'opposer à cette idéologie sur laquelle la majorité du monde aujourd'hui s'entend et suit. Donc, quelque part, ceux qui suivent le Dajjal, ils suivent Satan. Et il y a des gens parmi la communauté de Mohammed sallam qui portent des barbes, qui portent des qamis, qui des fois font le djihad, et pas des fois, ils font le djihad, et œuvrent pour la grande Israël, pour l'établissement d'Israël dans le monde, dans le Moyen-Orient. Donc méfiez-vous. Donc, lorsque Abu Arafa, lorsque Ayman Hussein mettent en guerre ces choses-là, sur ce point-là, ils ont raison. Ils ont raison. C'est une vérité. Bon, ensuite, bien sûr, et on l'a fait déjà, on pourrait critiquer leur point de vue sur le fait qu'ils considèrent Bachar comme une victime hein, de l'axe antisioniste, et ça c'est une erreur. Pourquoi? C'est dû à une manque de connaissance, à une bonne maîtrise du sujet, du dogme, de la matière, du dogme dans l'islam et du tawhid. Ceux qui maîtrisent le tawhid, Allah Azza wa Jal, il nous explique dans le Coran, on interdit à un tel Yahoud ou à un Nasara, les juifs et les chrétiens ne seront jamais contents de toi, puisque tu es sur leur passion. Hein? Que dire de quelqu'un qui n'est même pas juif? Le juif et le chrétien dans l'islam, il a un statut, qui sont les gens du livre. Bachar, il n'a aucun statut. Il est même pas encore gens du livre. Vous pouvez vous marier avec leur femme, on peut s'offrir des cadeaux, on peut leur faire da'wah avec douceur, vous imaginez?
que dire ces gens-là qui sont des gens qui sont plus proches du statut de zindiq, qui est pire que le statut d'hypocrite, car zindiq c'est celui qui, c'est pas celui par exemple qui ne pratique pas l'islam et puis il fait ses conneries, puis voilà, non, c'est celui qui essaye d'altérer la religion. Donc il s'est transformé en apportant de nouvelles choses, de nouvelles idéologies, comme c'est le cas des francs-maçons pseudo-musulmans, comme c'est le cas des laïcs, comme c'est le cas de tous ceux-là qui se disent musulmans et en même temps ils sont en train de massacrer l'islam à coups d'hache. Voilà. Donc Bachar, il fait partie de ces gens-là qui seront asfal as-safilin, qui seront plus bas degré de l'enfer avec Pharaon et toute la clique, voilà, parmi ceux qui ont combattu l'islam durant l'histoire. Et donc il faut bien comprendre ça, que la mécréance, surtout aujourd'hui, 100 ans, pour appliquer le nouvel ordre mondial, ils l'ont fait, de manière presque, pratiquement, on va dire, théorique. Là maintenant, ça, ils veulent passer à l'étape suivante. C'est quoi? C'est ça, ils s'entendent, ça, ils ont fait leur nouvel ordre mondial. Ils savent lesquels objectifs ils veulent. Maintenant, il faut appliquer ça de manière pragmatique. Alors, c'est quoi? C'est remodeler le Moyen-Orient selon leurs souhaits. C'est établir la grande Israël, ensuite pour que Dajjal puisse venir. Et pour cela, ils ont des outils. Et parmi ces outils-là, il y a des infiltrés chez les Moudjahidines, beaucoup d'infiltrés, hein, en Syrie. Et ceux qui entendent, Inch'Allah, parmi les sincères qui entendent cette vidéo, si vous l'entendez, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azzawajal, ça peut se faire que par la grâce d'Allah Azzawajal, sa puissance, hein, eh ben, méfiez-vous et soyez indépendants et faites des fronts indépendants. Hein, et parce qu'il y aura toujours un groupe. Il y aura toujours un groupe vainqueur, il y aura toujours un groupe sauvé. Il y aura toujours un petit groupe qu'Allah Azzawajal va préserver par sa puissance et qui sera toujours cette petite pierre, ce petit caillou qui posera un problème à la toile du Dajjal. D'accord? Et méfiez-vous, je vous ai dit ces drapeaux. En plus, je reviens à ce que j'avais dit sur le drapeau, hein, ce fameux drapeau du Tawhid, qui comprend La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah à l'envers, et qui comprend un cercle. Lorsque vous avez compris la symbolique, lorsque vous avez compris ce qu'est le nouvel ordre mondial, ce qu'est la franc-maçonnerie, donc je vous invite. Même si c'était un effet de mode il y a une période, et vous allez penser, vous allez me dire, mais pourquoi il remet ça sur le tapis? C'est bon, c'est démodé maintenant, les francs-maçons, on n'est pas dans une question de mode ou pas de mode. On est dans c'est une réalité ou pas? Est-ce que les francs-maçons sont toujours là? Est-ce que les francs-maçons commentent toujours le monde? Est-ce que les illuminatistes commentent toujours le monde? Oui, malheureusement, oui. Est-ce que la religion du Dajjal, c'est la franc-maçonnerie? Malheureusement, oui. Donc il faut en parler, on en parlera toujours. Effet de mode ou pas effet de mode? Donc il faut bien comprendre que le cercle qui représente l'œil, hein, ou qui représente en quelque sorte aussi le soleil, car c'est la naissance du, c'est l'éclatement, c'est le nouvel ordre mondial qui apparaît, hein, et c'est aussi quelque part, ça représente aussi compliqué, parce que ça représente aussi la communauté juive, hein, qui est représentée par le soleil, comme c'est dit dans la Torah. Donc essayez de comprendre que la forme du cercle, c'est une importance. Si à la Mecque, autour de la Kaaba, ils ont fait un cercle, certes, pour faciliter le tawaf, je dis pas le contraire. Mais ces gens-là agissent toujours de manière binôme. Ils ne font rien sans une motivation occulte, sans une motivation satanique. Ils font jamais les choses comme ça pour le bien des. Est-ce que vous pensez que les Saoudiens, les Saouds, agissent uniquement pour le bien de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, uniquement? Eh ben, vous vous trompez. Ils font des choses qui, d'apparence, ont une teinture humanitaire. Écoutez bien ce terme-là, ont une teinture humanitaire, ont une teinture de bien pour rendre service à la Ummah, d'accommodité pour la Ummah musulmane, et en fin de compte, derrière, ça cache quoi? Une symbolique. Hein. C'est comme quelqu'un qui me disait, un des frères qui me disait, oui, mais s'ils ont fait ce qu'on peut rappeler un mur de lapidation, ou je sais pas quoi, lorsque vous êtes à la Mecque où on jette les pierres, s'ils l'ont fait en forme comme ça, qui représente le mur d'un bateau, qui représente soit l'Arche de Noé ou le Titanic, je sais pas exactement car je n'ai pas discuté avec les dirigeants saoudiens et j'espère jamais discuter avec eux, Inch'Allah Ta'ala, hein, à part si c'est le jour du jugement, Inch'Allah Ta'ala, quand si Allah Azzawajal nous décide, nous donne ce cadeau-là de rentrer au paradis et qu'ils seront en enfer. Et ben, quand ils ont fait ça, ils ont fait ça
pour bien sûr pour que ce soit plus commode, pour éviter de jeter des pierres de l'autre côté, mais aussi il y a une motivation occulte, il y a une motivation satanique. Parce que la franc-maçonnerie repose sur la symbolique. Ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est par symbolique. Regardez les entreprises. Vous avez toujours, quand on fait une entreprise, vous faites un nom, donnez un nom, mais vous donnez aussi, il y a un petit logo. Et bien ce logo, souvent, ça représente une symbolique. Hein. Et ceux qui sont de la franc-maçonnerie, il faut qu'ils se reconnaissent, faire comprendre, voilà, bon, tiens, écoute, moi je fais partie de la franc-maçonnerie, mon entreprise finance, participe à la franc-maçonnerie française, par exemple. Donc il faut faire une petite pyramide, il faut un petit logo qui fait comprendre que vous faites partie du lot. D'accord? Donc, méfiez-vous de la symbolique qui vient d'apparaître dans la communauté musulmane actuelle. Méfiez-vous des gens qui apparaissent actuellement, je vois souvent dans les photos, qui font le doigt, non pas de la main droite, mais de la main gauche. Et en plus, ça tout va. Pourquoi, subhanallah, pourquoi vouloir se faire prendre en photo et absolument lever le doigt? Expliquez-moi pourquoi. Vous avez quelque chose à prouver aux gens? Vous êtes musulman en disant, la ilaha illallah, c'est suffisant. Pourquoi avant? Pourquoi dans les années 90, et il y a eu des conversions, les conversions ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu dans les années 80, je suis issu d'un quartier lyonnais, d'une banlieue lyonnaise, où il y avait dans les années 83, les années 80, subhanallah, une conversion de masse dans mon quartier. Et les gens ne se faisaient pas prendre en photo en levant le doigt. Non, on sait qu'on dit, bien sûr, on fait la ilaha illallah, parce que c'est une sunna, le prophète l'a fait à diverses reprises. Il l'a fait, le prophète sallam, lorsqu'il était par exemple pendant la prière, ou lorsqu'il était par exemple il faisait une khutba pendant la prière du vendredi. Mais les sahabas, ils ne sont pas là tous les secondes, comme ça, tiens, on se regardait en faisant ce signe-là. Et tout en sachant en plus que ce signe de l'index a une signification, et ça c'est important de le comprendre, ça a une signification chez les francs-maçons. Hein. Lorsque vous avez Bouba qui lève le doigt comme ça, c'est pas pour rien. Avec la main gauche, c'est pas pour rien. Lorsque vous avez des chanteuses illuministes, Rihanna, tout qui lève le doigt, c'est pas pour rien. Essayez de bien comprendre ça. Lorsque vous avez des statues, enfin je suis parti à Paris, à Saint-Michel, pas loin du palais de justice, et il y avait une statue, et je l'ai pris en photo, et ben il y avait dans cette statue quelqu'un qui. La statue levait le doigt comme ça, en direction des cieux, l'index. C'est pas pour rien. Lorsque Platon lève le doigt, c'est pas pour rien. Essayez de bien comprendre. Donc là, on arrive à l'apogée, on arrive vraiment au sommet du conflit entre le bien et le mal. Et seule une petite partie, malheureusement, de sincères vont s'en sortir. Pourquoi? Parce que pour accepter certaines informations, il ne faut pas avoir d'orgueil. Si déjà vous êtes orgueilleux, ce que je vais dire, déjà vous ne l'accepterez pas. Parce que vous allez dire, lui c'est qui? D'où il vient? Où c'est qu'il a étudié? Voilà, on est obligé de prouver aux gens, soi-disant, que on a un certain bagage théologique. Hein. Alors que le musulman se doit d'écouter la vérité d'où elle provient. Vous n'allez pas dire pourquoi Amr Hussein il parle arabe, pas, il parle pas arabe. Ça, c'est pas. Le musulman, il dit pas des choses comme ça. Hein. Et le professeur sallam, quand Abu Huraira, il y a un démon qui venait vers lui, il lui a dit, Diaye, tu savant de dormir. Le professeur ne lui a pas dit, mais t'es parti écouter un démon, t'es parti prendre la formation d'un démon, mais t'es fou. Mais c'est qui lui là, c'est un savant pour que tu prends une parole de lui concernant la religion. Il a dit c'est un cadeau. Il a dit la vérité, mais c'est un menteur. Mais là il a dit la vérité. Donc imaginez-vous, considérez-moi comme un menteur, considérez-moi comme la personne la plus pure du monde. Mais ce que je dis qui est vrai, Inch'Allah Ta'ala, qui n'est pas en contradiction avec le Coran et la Sunna, prenez-le si c'est un bienfait pour vous. Prenez-le si ça peut vous sauver du Dajjal. Parce que malheureusement, il y a certaines vérités qui seront dites par personne. Là, il y a beaucoup d'acteurs sur la scène, on va dire, médiatique, de la prédication dans l'islam. Et là, malheureusement, 90%, hein, c'est tous des charlatans. C'est tous des prédicateurs du mal. C'est tous des satanistes. Hein. Après, franc-maçon, pas franc-maçon, faire partie d'une loge, pas faire partie d'une loge, innovateur, pas innovateur. Moi, ça m'importe peu. L'essentiel, c'est le résultat. Ces gens-là, ils sont en train de transformer la religion de Mohammed sallam. Lorsque vous légitimez l'homosexualité, lorsque vous légitimez beaucoup de choses, l'intérêt usuraire, lorsque vous permettez aux gens de comment ça s'appelle,
de ne pas s'occuper de ce qu'il y a dans la commune de Mohammed sallam et beaucoup d'autres choses. Lorsque vous dites que il faut se servir de la démocratie pour arriver à un État islamique, alors que tout le monde a compris dans l'histoire depuis Adam jusqu'à aujourd'hui que vous ne pourrez asservir d'une manière juste et équitable afin de rétablir la paix et la justice que par la force. Et les compagnons, ils ont compris cette logique-là. C'est pour ça que l'islam, elle s'est répandue par l'épée. Mais elle s'est pas répandue que par l'épée, comme veut dire le mécréant. Elle s'est répandue par l'épée avec la justice, avec l'équité. Et l'épée n'était dégainée que lorsque vous aviez des gens qui n'acceptaient pas le débat, qui n'acceptaient pas le dialogue, qui n'acceptaient pas la vérité, et qu'ils étaient des gens, qu'ils étaient des spoliateurs, qu'ils étaient des gens spoliateurs, menteurs, voleurs, corrupteurs, comme on en voit aujourd'hui. D'accord? Donc, enlevez ces ambiguïtés de vos têtes. L'islam, c'est le bon équilibre. D'accord? Ne pensez pas que toujours que le djihad c'est mal, que verser le sang. Le professeur, il a versé le sang. Le professeur, il a fait le combat. Il a combattu, professeur sallam. Mais pour propager l'équité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui prônent le djihad. Vous avez des gens qui combattent, mais pas pour Allah Azzawajal. Pas litakoun kalimatullah, pas pour que la parole d'Allah Azzawajal soit la plus haute. Et pour qu'ensuite il puisse y avoir l'équité sur la terre, que les gens puissent respirer et vivre de manière harmonieuse. Non, pour prêcher et pour établir une religion qui est mensongère, une religion qui n'est pas la religion d'Allah Azzawajal, une religion d'une certaine, une religion de paix, où le musulman, le juif, le chrétien pourraient vivre en paix, où il n'y aurait plus d'alliance, plus de désaveu. Voilà, où on sortirait tous main dans la main, comme vous voyez un peu dans le clip de Sami Youssouf, It's a Game, dans son anachid. Donc méfiez-vous. Ça, c'est pas la religion d'Allah Azzawajal. La religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est que l'hégémonie soit Allah Azzawajal. C'est que la religion soit entièrement à Dieu. Parce qu'il n'y a que l'islam qui peut gérer la terre. Et l'islam, elle l'a prouvé durant l'histoire. On a vu ce que ça a donné lorsque les chrétiens, on l'a vu avec les Américains, avec les Anglais, lorsque les chrétiens avaient le pouvoir, on a vu ce que ça a donné. Et vous allez voir bientôt ce que ça va donner aussi avec les juifs. Vous le verrez quand, si Allah Azzawajal décide et que les musulmans continuent encore dans la naïveté, dans leur ignorance, lorsque les juifs auront leur hégémonie, vous allez voir ce que ça va donner. Il n'y a que l'islam et que les musulmans sincères qui pourront propager la justice et l'équité sur la terre. C'est tout. Il n'y a pas une autre religion. Et je parle pas de peuple, parce que l'islam c'est international, l'islam c'est, il n'y a pas de frontières. Hein. C'est Allah Azza wa Jalla, il peut donner l'hégémonie à des musulmans d'Indonésie, comme il peut la donner à des musulmans d'Europe, et ainsi de suite. C'est pas, ça appartient pas aux Arabes. Par contre, c'est vrai que pour le grand émirat, le grand émir, il est préférable, comme c'est le cas du Mahdi, qu'il soit Quraishi, donc il descend de la lignée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est malheureux, mais voilà ce qui se passe. Voilà où on en est, à quel point on en est, l'infiltration. Une grande infiltration dans la communauté de Mohammed. Et moi, ce qui me motive pour faire ces vidéos, et ce qui me pousse des fois à faire ces vidéos, malgré que des fois j'ai envie de sortir des noms, j'ai envie de désigner des groupes, j'ai envie, mais les indices sont pas assez forts. Ça portera pas ses fruits, car les gens en demandent plus. Des gens demandent des preuves. Et je vois des fois sur Internet, quand je dis certaines choses comme ça, vous avez tout le monde qui me saute dessus. Pourquoi tu dis ça? Nanana, voilà. Donc, lorsque je dis que Al-Qaïda n'a pas une politique anti-israélienne, c'est pas, j'adore pas Al-Qaïda, j'ai pas peur d'Al-Qaïda, j'ai pas peur des gens qui sont d'Al-Qaïda, j'ai peur que d'Allah Azzawajal. Et il y a personne qui pourra m'empêcher de parler. Il faut que ce soit bien clair. Il faut que les gens se mettent ça dans leur tête. Si vous voulez m'empêcher de parler, j'ai déjà dit dans la vidéo, je le redirai, eh ben vous savez c'est quoi? C'est quoi? C'est ce qu'il faut faire. C'est soit m'expatrier dans une île, je sais pas où, soit me couper la langue, ou soit je sais pas. Vous avez de toute façon, je pense, certains projets. Donc, quand je dis qu'Al-Qaïda a la peine politique anti-israélienne, c'est la réalité. Et Allah Azza wa Jal dévoile toujours les gens à un moment donné. Et Al-Qaïda, là actuellement, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Pourquoi ils disaient que Al-Qaïda avait une politique. Elle avait une politique qui n'était pas. Comment ils expliquaient ça? Comment ils légitimaient le fait que Al-Qaïda ne combatte pas Israël? Eh bien, sur le fait que Israël c'était dur à l'atteindre parce qu'il y avait des pays avoisinants et tout ça. Et
Et qu'on ne vienne pas me raconter des salades avec des soi-disant groupes qui ont jeté certains missiles sur Israël pour me dire regardez les Moudjahidines, ils combattent. En plus, quand j'ai regardé la symbolique, c'est quoi? C'est deux épées, deux sabres posés comme les deux piliers de la franc-maçonnerie. Donc on arrête de m'endormir, en plus avec un soleil, je sais pas quoi, bon l'essentiel. Vraiment, Allah Musta'an, hein, vraiment, on se croirait dans un temple maçonnique. Donc que ces adeptes du Dajjal, ils ne viennent pas m'endormir. Et Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah Azzawajal, je fais du'a que vous continuez à faire des erreurs, mais encore plus graves. Comme ça, je pourrai, Inch'Allah Ta'ala, vous dévoiler au grand jour. Et qu'Allah Azzawajal me donne la force, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il porte ma parole vers les sincères, le cœur des sincères, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala propage les paroles que je dis de manière sincère. Celles qui sont dites quand je ne suis pas sincère, et bien qu'Allah Azzawajal, il les fait taire, Inch'Allah Ta'ala. Et ils ont dit, soi-disant, qu'ils avaient jeté des missiles. Mais c'est la même politique du Hezbollah lorsqu'il a fait le combat contre Israël en 2006 dans le sud du Liban. C'est exactement la même chose. C'est bon, attention, il y a des missiles qui arrivent. Hein. C'est comme quand vous boxez avec quelqu'un, ce qu'on appelle, vous faites de. Je crois, si je ne me rappelle plus, mais je pense qu'on fait des appels. Tu fais un appel. C'est-à-dire que la personne est en train de lui dire, attends, je vais te mettre une gauche. Donc tu es là et tu commences à faire ça. Donc la personne elle sait que tu veux lui mettre une gauche. C'est pas comme si tu faisais comme ça super rapide. Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est attends Israël, il y a des missiles qui arrivent, hein, avec le bouclier antimissile qu'a Israël. Mais Al-Qaïda actuellement, en Syrie, ils se trouvent à côté de la frontière israélienne. Ils sont pas loin. Ils sont à quelques kilomètres. D'accord? Et il y a Jebhat al-Nusra là-bas qui ont fait allégeance à Al-Qaïda. Donc je demande, voilà, on veut des preuves. Prouvez-nous, vous êtes vraiment anti-israélien. Prouvez-nous que vous êtes contre Dajjal. Prouvez-nous que vous êtes contre le nouvel ordre mondial. Prouvez-nous que vous êtes contre les adeptes du Talmud et les adeptes d'Israël. Moi j'en doute, mais prouvez-nous-le. Mais de manière. Hein, arrêtez les trucs médiatiques, je sais pas quoi, les trucs folkloriques et tout ça. D'accord? Et je demande à Allah Azzawajal de découvrir au grand jour tous les gens qui utilisent la religion de Mohammed, qui mentent. Vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte du complot, du degré du complot qu'il y a contre la religion de Mohammed sallam. Moi, je le vis, déjà, je le vis de manière, moi, à mon échelle, que dire, à l'échelle d'une communauté. Ils ne vous laissent pas, les kofars ne laisseront jamais, ils ne veulent pas que la lumière d'Allah azzawajal se propage. Allah il dit le Coran, ils veulent éteindre la lumière d'Allah azzawajal avec leur bouche. Allah subhanahu il parachèvera sa lumière. N'en déplaise aux mécréants. Ils essaient d'éteindre, ils font tout. Ils étudient, ils ont tous les moyens pour ça. Et ils s'en privent pas. Ils vont pas s'en priver. Ils peuvent utiliser des faux moudjahidines qu'ils ont formé, je sais pas où, dans des temples, je sais pas, dans des écoles, comme en Algérie, quand ils ont formé certains faux moudjahides, qu'ils ont été formés par le KGB, ils leur ont appris comment infiltrer tout ça. Faut savoir aussi Bachar a été formé par l'institution militaire russe. Donc on ne vient pas dire que Bachar, je sais pas c'est quoi, c'est une victime de rien du tout. Là, vous avez Poutine qui est en train de rencontrer Obama, ils sont en train de discuter autour d'un café, ou d'un thé, ou d'un verre de champagne, ou je sais pas quoi. Avec Satan qui est assis avec eux. Donc essayez de bien comprendre le donc il y a un moment où il y a quelque chose qui est pas clair. D'accord? Vous avez Poutine qui est parti en Israël, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas longtemps. Il est parti faire une visite là-bas, il a visité le mur des Lamentations et tout ça. Ils ont dû lui faire visiter les futures constructions du temple. Inch'Allah ta'ala que ça aboutit pas. Mais voilà, je flippe, voilà, j'ai vraiment peur. Et que ça se fait, et puis si ça se fait, qadar Allah, mashafa'al, hein, et Inch'Allah, il y aura la victoire après. Mais j'ai peur que la victoire, elle arrive après un grand massacre, elle arrive après une certaine hégémonie de la mécréance. Wallah, j'ai peur. Parce que regardez, maintenant, ils ont fait nouvel ordre mondial, ils l'ont fait. Ils ont pu le faire. Qui c'est qui s'est opposé? Comment vous opposez à ça si vous ne savez pas c'est quoi la franc-maçonnerie, si vous ne comprenez pas la religion du Dajjal, si vous comprenez pas c'est quoi l'Égypte antique et tout ça? Vous ne pourrez pas comprendre. Comment vous voulez qu'Allah Azzawajal donne la victoire à la Ummah Muhammad sallam lorsque vous voyez des gens qui sont subjugués par les pyramides, ils sont subjugués par la science de Pharaon, par la religion de Pharaon? Comment vous voulez qu'Allah Azzawajal, alors que ces gens-là, le mal se fait aider par quoi? Se fait aider par les démons. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ces gens-là, ils se font aider par les démons. Et vous savez que les shayatines ont certaines capacités. Lorsque vous êtes comme du gaz, vous pouvez vous infiltrer n'importe où. Vous avez certaines facultés que. Et lorsque vous avez une certaine force, vous voyez, quand vous faites ruqya à quelqu'un qui est possédé, le démon, il a une certaine force.
Une fois, on a essayé de maîtriser quelqu'un. On était 4-5 sur son coude. Il nous a soulevé comme ça, les 5. Et il y a une certaine. Donc, ils ont une certaine capacité. Vous ne pouvez même pas dire qu'ils ne sont pas capables de porter des pierres ou quoi que ce soit. Puis voilà. Vous ne pouvez pas aussi me convaincre du contraire que. Me convaincre, me persuader que ceux qui ont construit les pyramides n'ont pas pris, par exemple, des potions à base de sorcellerie pour pouvoir avoir une certaine force. On est d'accord. Donc ces gens-là, donc cette toile d'araignée, ils sont aidés par le shaitan, ils sont aidés donc par Satan. Donc ils ont certains moyens, hein. Ils ont des moyens que nous on peut pas utiliser. Nous, on peut pas utiliser le hamdoulillah rabbil alamin, on peut pas utiliser la sorcellerie. Nous, on n'est pas machiavéliste, on ne peut pas utiliser la ruse, la mauvaise ruse, on peut utiliser le mal pour arriver au bien. Beaucoup de musulmans ont voulu utiliser le mal pour arriver au bien, l'exemple de Morsi, en surfant sur la franc-maçonnerie, hein, en voulant faire comme tous les politiciens font, parce que la politique c'est quoi? C'est la réelle politique c'est quoi? C'est le machiavélisme, c'est la franc-maçonnerie, c'est on fait connaissance avec un tel, je te présente un tel. Politique juive qui peut te faire avancer, qui peut te donner un essor politique et tout ça. Donc les gens ils disent, ah tiens, dans ma tête, eh ben, je vais en faire profiter à l'islam. Mais le problème, c'est qu'à la fin, ils t'écrasent comme une serpillière. Et ils l'ont fait avec des gens qui ne sont même pas musulmans à la base, qui sont des vrais satanistes. Ils l'ont fait avec Kadhafi. Hein. Ils l'ont fait avec Saddam. Regardez ce que ça a donné. Ils les ont tués comme des. Voilà. Et vous ne pourrez réussir que lorsque vous utiliserez. Des biais qu'Allah Azzawajal aime, des biais purs et sincères. Il n'y a pas besoin de. Allah Azzawajal, quand il a dit à Maryam pour qu'elle puisse avoir des dates, il lui a dit Wahuzzi ilayki bijid'in nakhla. Donc fais trembler le palmier. Il y a des dates qui vont. Vous savez très bien qu'une femme enceinte, elle n'est pas capable de faire trembler un palmier. Donc Allah Azzawajal lui a demandé de faire un petit effort. Et bien Allah Azzawajal, il nous demande la même chose. Et il demande la même chose au Mahdi, il demande la même chose aux adeptes du Mahdi. C'est faites un petit effort. Faites ce que vous pouvez. Fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah Azzawajal sur vos capacités. Et Allah Azzawajal mettra la baraka, Allah Azzawajal mettra la victoire. Dès le moment où vous faites quelque chose qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, vous allez réussir, Inch'Allah. Vous allez réussir. C'est en bonne marche. Après quand, comment, avec qui, ça c'est Allah Azzawajal qui décide. C'est pas à nous. C'est pas à quiconque. Ça c'est Allah Azzawajal qui décide. Qui, comment, mais nous on fait, on lance. Donc on lance la machine. Hein. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, donc le nouvel ordre mondial du Mahdi est lancé. Inch'Allah ta'ala. Donc c'est une idéologie qui n'est autre que le pur monothéisme. Que l'islam, ne mourrez qu'en tant que musulman. Voilà qu'on fait Ibrahim, vous avez en Ibrahim un parfait exemple. Voilà, c'est pas compliqué. C'est quoi? C'est pur monothéisme qui combat donc la mécréance. Et le sommet de la mécréance, qui est quoi? Qui est la franc-maçonnerie, l'illuminatisme, l'adoration de Satan. Et. On ne pourra avoir de victoire que si on comprend ce qui se passe à la lumière du Coran de la Sunna et des événements politiques et de la réalité de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'infiltration de ce qui se passe. Il y a des gens qui sont en train d'utiliser la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui sont en train de s'amuser, ils sont en train de s'éclater de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous là avec des sourires, en train de faire des doigts. Je ne sais même pas d'où ils sont sortis. Hein, on les voit par milliers. Hein. Et moi, alhamdoulilah, je sais que c'est pas de la paranoïa. Moi, je sais que j'ai raison. Bi-idhnillah ta'ala. Je peux me tromper, mais je le sens. Inch'Allah ta'ala, que j'ai raison. Parce que déjà, Allah Azza wa Jalla m'a donné le cadeau d'avoir une certaine expérience. J'ai vu des gens comme ça devant moi. Et c'est pas une chose qui est anodine. C'est pas une chose qui est facile. Mais Allah Azza wa Jalla a décidé comme ça. Donc, je me suis mélangé à des gens comme ça. Des gens que vous aimez d'apparence. Quand même, on respecte comme les gens qui combattent pour Allah Azzawajal, qui se disent mujahidine, qui ont de la science et tout ça. Puis quand vous vous rendez compte qu'en fin de compte, c'est que des adeptes du Dajjal, que des serviteurs d'Israël, ça fait mal. Voilà. Il y en a parmi eux qui m'ont avoué, qui m'ont dit voilà, il y en a qui mettent des signes drapeaux d'Israël, d'autres qui m'ont dit qu'on les a des du Dajjal.
D'autres, une fois qu'ils lisaient un article, et puis ils ont vu que un groupe en Égypte voulait soi-disant taper l'ambassade d'Israël, ils étaient comme des fous. Ah ouais, ils veulent taper Israël, je suis sûr que c'est ça, je suis sûr, ils étaient énervés. Ah, des moudjahidines qui réagissent comme ça, je sais pas d'où ils sont sortis. J'ai un problème. Donc voilà, regardez. Donc, moi je vous donne l'élément. L'élément pour distinguer le bien du faux. L'élément pour distinguer les bons moudjahidines des mauvais. C'est quoi? C'est Israël. Lorsque vous voyez, et l'Israël et la franc-maçonnerie, lorsque vous voyez que des moudjahidines ne veulent pas s'attaquer à Israël et à la franc-maçonnerie, là vous savez qu'il y a un problème. Là, c'est pas des gens sincères. C'est pas des vrais moudjahidines. Là, vous savez qu'il y a un problème. Et quand vous avez des dirigeants qui viennent et qui disent, voilà, tu fais allégeance, tu tais, et tu fais telle chose, et si vous demandez des comptes, ils vous disent, ne cherche pas à comprendre, tu tais, c'est comme ça. Comment? Il y a des gens, on ne sait même pas d'où ils arrivent, tu viens, tu me dis c'est un émir, tout le monde doit lui faire allégeance, on ne sait même pas d'où il est sorti, c'est qui? C'est quoi ça? Voilà le problème, la réalité sur le terrain, c'est pas des paroles en l'air, c'est ce qui se passe sur le terrain. Il y a des gens qui s'érigent en émir, on ne sait même pas d'où ils sortent, et les gens leur doivent allégeance sans poser de questions. Parce que c'est comme ça, la règle chez les moudjahidines, c'est comme ça, il ne faut pas poser de questions. Tu viens, tu fais béra, tu fais béra, t'es un fitnateur, t'es là pour faire la fitna. C'est comme ça qu'on va avancer. Alors que le prophète sallam faisait tout de manière ouverte. Le prophète sallam, il se réunissait avec les sahaba, il prenait des décisions avec eux. Il n'y avait rien d'ambigu. Les sahaba, ils connaissaient un tel, ils savaient qui était qui. Même les juifs qui étaient, alhamdoulilah, de la communauté, qui sont convertis à l'islam, les sahaba les connaissaient, d'avant même d'avant leur islam. Il n'y a pas de chance, comme, il y avait peut-être l'infiltration, bien sûr, il y a des hypocrites aussi, mais c'était pas au même degré qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grave, aujourd'hui, c'est vraiment, on est à l'apogée du mal. Ils sont venus experts en infiltration. Pourquoi j'insiste sur ce problème-là, et que je m'écarte un peu du sujet du G20 et de la Syrie et tout ça? Parce que c'est la clé pour comprendre ce qui se passe en Syrie. C'est, ils veulent faire la grande Israël, et ils utilisent plusieurs outils, et ils ont plusieurs pays sur leurs mains. La Russie, l'Amérique, la France, l'Union européenne, tout ça sont unis pour détruire le peu qui reste de sincères. Donc ils rassemblent le maximum de moudjahidines en Syrie, tac, et après ça va commencer. Hein. C'est super facile à tuer un sincère. Celui que t'as infiltré, t'as une petite carte comme ça électronique, tout petite comme ça, avec GPS, où tu peux, t'es en relation avec des satellites, où tu peux envoyer des missiles, et tu poses ça à côté dans le camp, ou même sur l'habit, même dans sa veste, dans son khamis, c'est super facile. C'est super simple. Voilà, et la personne, elle se fait tuer tout de suite. Surtout si c'est un cadre, c'est une personne qui vraiment représente un danger pour ces toiles d'araignée. Et c'est ce qui s'est passé en 2012, quand ils ont pu tuer beaucoup de cadres d'Al-Qaïda. Hein, et certains s'en sont sortis. Et je pose la question, et j'aimerais savoir pourquoi, chez Al-Qaïda, il y a une personne qui est d'origine juive, hein, ça ne pose pas de problème, et je crois son grand-père est sioniste, il fait partie de l'association antisémite en Amérique. Pourquoi cette personne ne l'a pas dit depuis le début? Voilà. Et il faut que cette personne le dise. Pourquoi? Parce que les juifs sont professionnels dans dans la dissimulation, ils sont professionnels dans l'infiltration. La religion chrétienne a été détruite, a été altérée. Le monothéisme a été extrait de la religion chrétienne à cause d'un juif qui s'appelle Samuel, Paul. Hein, il s'appelle Shamouil ou Shaoul, Saul. Voilà, il y a plusieurs. Mais il a détruit la religion chrétienne. Et ils veulent faire pareil avec l'islam. Et vous vous taisez. On ne peut pas se taire. On ne se tait pas. Moi, je me tais pas. Voilà. Donc, on veut des explications. Voilà. Et c'est clair. Tu veux être porte-parole, tu es porte-parole de qui tu veux. Ça pose pas de problème. Mais que des gens comme ça, ils arrivent, je sais pas d'où ils sortent. Un juif, il rentre dans la communauté, il fait ce qu'il veut. Il fait le hala. Il met la barbe. Hein, il met le khamis afghan. Il vient, il joue le dur. Il parle de tawhid, de je sais pas quoi. Il rentre dans la communauté, il fait ce qu'il veut. Il manipule comme il veut. Il chauffe les masses, il chauffe les gens. Faut faire le hijra. Attention, tatati, tatata. Remonter. C'est un schéma qui est trop simple. Ils y arrivent de manière super efficace. Mais quand c'est qu'on arrêtera d'être bête? Qu'on arrêtera d'être naïf et se faire utiliser par ces gens-là? Je ne suis pas en train de dénigrer les musulmans à qui je parle.
Parce que Allah Azza wa Jalla m'a permis de comprendre certaines choses. Je suis passé par certaines épreuves grâce à Allah Azza wa Jalla. Donc j'en fais profiter mes frères et mes sœurs. C'est pas, je parle pas par orgueil. Donc la réalité, elle est comme ça. Il faut qu'on arrête d'être utilisé. Eux, les juifs, ils ont compris. Pour survivre, pour avoir l'établissement et la suprématie sur les autres pays, c'est créer des guerres, des conflits. Tuez-vous entre vous. Et les élites juives sont de côté, les illuminatistes, les francs-maçons, tout ça, eux sont mis de côté, les têtes. Et puis toute la basse couche, toute la masse, elle s'entretue entre eux. Et c'est, ne pensez pas que c'est chez les mécréants, chez les musulmans c'est pareil. Quand vous avez des groupes qui sont dirigés par des francs-maçons, le groupe des frères musulmans, comme Ranouchi, c'est un frère musulman, comme Mursi, excusez-moi, Ranouchi, c'est un franc-maçon, Mursi, c'est un franc-maçon. Ces gens-là, ils ont emmené la communauté musulmane dans un gouffre. Les gens qui ont créé les événements en Algérie, c'est peut-être des francs-maçons. Moi, qu'est-ce qui me prouve du contraire? Quand je vois que des gens sont encore entêtés, il y a quelqu'un comme Ali Belhadj qui est la cause, parce qu'il a chauffé des millions de personnes en Algérie, des millions de personnes en Algérie, il y a eu des milliers de personnes qui se sont fait massacrer, et encore il ose réchauffer encore les masses. Mais de quel droit? Déjà la moindre des choses, demande, excuse-toi de tous les... J'aurais honte de parler, de me remettre encore sur la scène. Je me ferais petit et je demanderais à Allah Azza wa Jalla de me pardonner mes péchés parce que peut-être que je suis un peu la cause. Quand vous, si je me mets maintenant, moi, demain, je commence à parler sur une vidéo, je me dis, il faut que vous combattiez en France, il faut que vous combattiez là-bas en Syrie, il faut que vous... Je commence à chauffer les gens, il faut que vous défendiez les sœurs, allez-y, sortez dehors, tirez sur tout le monde. Et que ça se passe réellement, qu'il y en a qui le font. Et puis à cause de ça, il y a des frères qui vont prennent perpète en prison, ou que des gens se font tuer, hein, que des sœurs se retrouvent célibataires ou veuves. Et je suis pas responsable? Je suis responsable. Pourquoi? Parce que ça a été fait de manière pas intelligente, comme ça se doit dans l'islam. Ça n'a pas été fait de manière structurée, comme ça se doit dans l'islam, de manière pure, de manière comme c'est comme le professeur il l'a fait. Non, c'est fait de manière comme ça. C'est du n'importe quoi. C'est du barbarisme. Donc, qu'est-ce qui me prouve que ces gens-là ne sont pas des francs-maçons? Et c'est toujours un problème. Donc, certaines personnes viennent et jouent avec les masses, avec la naïveté des musulmans. Parce qu'il y a des musulmans, dans la masse, vous trouvez dans la basse couche des musulmans, il y a beaucoup qui sont sincères. Il peut être frère musulman, il peut être tablir, il peut être soufi, parce que vous voulez. Et c'est des gens sincères. Ils aiment la religion d'Allah Azza wa Jal, ils veulent que ce soit la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui s'établit. Mais malheureusement, ces gens-là sont utilisés par des élites qui ne sont pas au niveau, des élites qui sont mal intentionnées, des gens qui sont des prédicateurs du mal, des égéreurs, comme Prophète Samuel l'a dit. Et avant la venue de Dajjal, il y aura 33 prédicateurs du mal, 33 petits Dajjal. Il y en a de Dajjal, dont Qardaoui, par exemple. Et ensuite, il y a plein de petits Dajjal. En France, on en a plein des petits Dajjal. Quand vous avez un prédicateur qui s'appelle Hassan Iqusen, par exemple, et qui dit qu'au-dessus, il y a le soleil, et quand vous voyez qu'un énergumène comme Dieudonné se permet de lever le doigt comme ça, l'index, et je ne le ferai pas, en plus faire un bruit de la bouche, pourquoi quand tu lèves le doigt, l'index, tu fais un bruit de la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand tu te permets de faire le geste qui est la quenelle, qui a une connotation sexuelle, tu ne viendras pas me persuader que le doigt, tu le fais comme ça de manière anodine. Il y a quelque chose derrière quand tu le fais. Et étant donné que tu fais partie d'un certain axe, qui est un axe sataniste, qui est l'axe du Dajjal, l'axe chiite, hein, et ben tout s'éclaircit. Tout, c'est comme un puzzle. Vous commencez à prendre un indice au début, un autre, un autre, un autre. Vous vous rendez compte, voilà, que en fait, vous avez, grâce à Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde et par sa permission, vous avez compris. Donc, méfiez-vous. Il y a une grande mascarade, il y a un grand complot contre l'islam. Wallahi, méfiez-vous. Wallah, ouvrez les yeux. Wallah, on va droit vers le mur. Wallah, on va droit vers le mur. Wallah, si on ne se réveille pas, si les gens ne commencent pas à se remettre. Demandez des comptes, subhanallah. Demandez des comptes à vos prédicateurs. Demandez des comptes. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Il y a plein de choses, j'ai pas tout en tête, mais il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça, qu'on voit, qui sont, subhanallah. Quand vous avez des rigolos comme Ribéry, comme Anelka et tout ça, qui se disent musulmans, qui sont là tous avec l'index, là, en train de faire ça. Et l'autre, il a un prix, il gagne un prix qu'on lui a donné je sais pas comment on appelle ça, au foot, on lui a donné un. Je sais plus comment on appelle ça. Ouais, c'est quoi? C'est une tête de. Je sais pas quoi, avec des cornes comme ça. C'est quoi ce truc de fou, là? C'est quoi ce manque de respect envers la communauté de Mohammed sallam? On n'a pas besoin que tu dises musulman. Reste comme t'es, fais ce que tu as à faire, mais ne dis pas musulman. Parce que tu es en train de massacrer la religion de Mohammed sallam. Tu es en train de montrer une mauvaise image aux gens.
C'est pour ça que les gens, ils ont une vision tronquée de la religion. Ils savent plus où ils en sont. Ils arrivent plus à distinguer le vrai islam du faux. Parce que ces faux prédicateurs sont en train de tout altérer, tout en train de tout transformer. Ils arrivent, c'est facile. Pourquoi on fait pas ça chez les juifs? Parce qu'on peut pas. Les juifs, ils vous laisseront pas rentrer. Ils vous laisseront pas. Si vous n'êtes pas juif, ils vous pouvez pas venir comme ça dans une synagogue, venir, ouais, je m'appelle Moshe, je suis juif et tout ça, et venir dire n'importe quoi. Ils vous laisseront pas. Mais nous, les musulmans, si. Mais on n'est pas contre ceux qui veulent se convertir à l'islam. Vous êtes les bienvenus, et alhamdoulilah, rabbil alamin. Et on est content lorsqu'on voit des étrangers qui se convertissent à l'islam. Mais pas des gens qui sont mal intentionnés, pas des gens qui rentrent, qui se convertissent à l'islam pour tout transformer, pour altérer la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut, à un moment, il faut mettre un terme à tout ça. Il faut mettre un terme à l'altération, il faut mettre un terme à tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui se passe à l'échelle internationale, vous avez des dissensions. Même chez les musulmans, les francs-maçons musulmans, vous avez des petits groupes qui s'entendent pas, mais ils s'entendent pour le même objectif qu'il avait vu Dajjal, comme Erdogan, comme Ranouchi, tout ça. Et ces gens-là jouent avec la naïveté, avec la bonne intention, la candeur de leur masse qui les suivent, comme les frères musulmans turcs, comme les frères musulmans tunisiens, ainsi de suite. Voilà. Et ils sont là on les réunit par milliers, il arrive comme ça en vedette. Et vous avez tous les gens qui sont en train de les acclamer, et ils ne savent pas en fait qu'ils sont en train de participer à l'antonyme de la religion Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'antagonisme même de la religion Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans le savoir. Pourquoi? Parce que si vous voulez connaître les gens, connaissez la vérité, vous connaîtrez les gens, et connaissez la mécréance, vous connaîtrez les acteurs de la mécréance. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe aujourd'hui, connaître qui est Poutine, qui est Netanyahou, qui est Hollande, qui je sais pas qui, si vous ne connaissez pas la mécréance, si vous ne savez pas sur quoi ils ont été éduqués. Quel livre de philosophie, quel livre de religion ils ont étudié. Vous ne pourrez pas comprendre. Moi, je vous le dis, il y a l'histoire du doigt, l'histoire du V qui se fait chez les moudjahidines, l'histoire du doigt qui est répétitif, l'histoire du cercle des drapeaux du tawhid. L'histoire du mélange du blanc et du noir, tout ça, l'histoire du symbole du soleil levant qu'on voit dans la symbolique, dans les divers groupes de Mujahideen et autres, comme Hezb Noor et tout ça, j'ai mis des photos dans mon blog, c'est pas pour rien, c'est une logique qui est mise en place, la fitna du Dajjal, et sa fitna est de 40 jours, et le Hudhayfa ibn Yaman a dit à compagnon, « Wa akhwafu min ad-Dajjal » Fitnatuhu, encore plus dangereux que le Dajjal, sa fitna, et sa fitna est de 40 jours. Et là, on est dans la fitna du Dajjal. Sa fitna, elle est en train. Ce qui est que, quand sa fitna sera bien propagée, lui, il viendra, les gens vont l'accepter. Ils vont rien remarquer parce que c'est fait de manière graduelle et échelonnée, tout doucement. On vous inculque on vous met de la symbolique, on vous met certains discours, certaines paroles, vous acceptez. Vous êtes subjugué par les belles couleurs, subjugué par les beaux discours, subjugué par les paroles qui sont dites de manière sensible et sentimentale, par les actions humanitaires et tout ça, vous allez tomber dans le piège. C'est bien de s'attacher à l'apparence. Si quelqu'un a une bonne apparence musulmane, de penser du bien de lui, c'est pas interdit. Mais en même temps, il faut avoir deux yeux. Un, vous voyez le bien, et à côté, vous avez un autre œil, vous méfiant, vigilant. Allah dans le Coran dit quoi? Khudhu hidrakum. Soyez vigilant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, attention, si vous délaissez vos armes, ils vont vous sauter sur vous bouffer. Et ça, on peut le comprendre aussi dans un autre sens. Les armes de la vigilance, les armes de l'intelligence. Et vous le voyez, par exemple, même à une échelle locale, ce grand complot, vous le voyez en France, que vous avez des gens qui se réclament de l'accès anti-sioniste, et qu'en fait, ce sont des gens qui manquent de respect envers la religion, qui dénigrent la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont pour la plupart d'origine juive en plus, hein, comme Soral et toute la clique. Voilà. Donc, voilà, voilà comment on peut jouer avec la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manière très simple. Donc, l'objectif de ce qui se passe en Syrie, c'est quoi? Écoutez-moi bien. L'objectif de ce qui se passe en Syrie, c'est quoi actuellement? C'est, s'ils auraient voulu, vraiment, ils auraient une certaine sympathie pour les musulmans,
une certaine pitié pour le sang qui est versé à Kobe Mohammed, une certaine tristesse pour le sang qui est versé chez les femmes et les enfants musulmans. Ils auraient débarrassé Bachar il y a longtemps, super facilement, comme ils ont fait avec Kadhafi. Hein, ils auraient même pu utiliser les musulmans pour ça. Les musulmans, ils auraient, comme il a dit Qardaoui, il faut que l'Amérique prenne une position, les temps que l'Amérique prenne une position pour Dieu. Hein, fait un acte pour Dieu en débarrassant Bachar. Donc vous aurez. Ils auront l'aide des musulmans pour ça. D'accord? Donc ils l'auront fait il y a longtemps. Pourquoi ils ont jamais débarrassé Bachar? Pourquoi ils laissent, ils laissent, ils laissent? Parce que ça les arrange trop, c'est trop une aubaine. Tuer du sang, tuer des musulmans, que des femmes musulmanes se fassent violer, que des chirs se fassent tuer, des vieux se fassent tuer, que des enfants se font déchiqueter. Mais c'est trop une aubaine, ils sont super contents. Là au G20, ils sont en train de se régaler, en train de dire, attends, pour l'instant, c'est bien Bachar, continue. Continue, t'es en train de les masser, continue. T'inquiète pas, on fait un peu de cinéma, mais t'auras où tu pourras aller, comment s'appelle, en Iran ou ailleurs, et tu pourras, comment s'appelle, te réfugier en Iran et ailleurs, et tes comptes sont toujours préservés, tes comptes bancaires à l'étranger, ainsi que ceux de ta femme qui se met à faire des achats sur Internet. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est déjà de détruire la Syrie. Parce que le désordre profite à la franc-maçonnerie, aux juifs. C'est ce qu'ils appellent l'ordre après le chaos. C'est l'un des adages de la franc-maçonnerie. Donc c'est détruire complètement la Syrie. Et plus particulièrement quoi? Pourquoi la Syrie? Parce que la Syrie, essayez de bien comprendre, la Syrie, pourquoi c'est important pour eux? Parce que eux, toute leur religion repose sur la pyramide. Toute leur religion repose sur ça. D'accord? Sur l'œil du Dajjal avec la pyramide. On est d'accord sur ça, vous savez très bien. L'illuminatisme, ça repose sur ça. Tout ce qu'on voit dans leur mimique, dans leur symbolisme, c'est la religion du Dajjal. Mais il y a un problème qui les embête, c'est quoi? C'est Issa alayhi salam, c'est Jésus qui va descendre en Syrie pour combattre le Dajjal. Eh bien, ils veulent pas, ils veulent empêcher Issa de descendre. Et ils veulent une mainmise en Syrie pour pouvoir empêcher Issa alayhi salam de descendre. Et bien sûr, les choses ne peuvent pas se faire simplement. C'est pas comme ça, allez, on se montre tous au grand jour. Viens, Bachar, c'est bon, viens, c'est bon, on est tous en fait tous de mèche et on fait le grand État d'Israël sur le monde. Ils peuvent pas, parce que ça risque de faire des ils essaient toujours de faire les choses de manière cachée, dissimulée, de façon à ce que par la suite, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'insurrection. Si vous mentez aux gens comme ça, il y a des personnes qui risquent de se réveiller. Faut pas croire que tout le monde est pour le gouvernement mondial, faut pas croire que tout le monde est pour l'injustice. Il y a même des mécréants qui sont contre, il y a même des chrétiens qui sont contre. Il y a même peut-être une partie des juifs qui sont contre aussi, qui se piègent dans les pays musulmans ou d'autres pays qui sont tranquilles et qui n'ont pas nécessairement envie de se remassacrer. Et voilà, parce qu'ils connaissent aussi les promesses divines, ils savent très bien Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu réserve au peuple juif lorsqu'il ne respecte pas la parole de Dieu, il ne respecte pas les commandements de la Torah. Donc ils agissent de manière donc. Ils agissent de manière donc dissimulée. Donc, leur objectif, c'est quoi? C'est d'empêcher la descente de Issa. Et en plus, c'est quoi? De tuer les Moudjahidines, car la crème des Moudjahidines, la majorité des Moudjahidines, sont réunis actuellement en Syrie. Vous avez tous les anciens combattants sont en Syrie, la plupart. Ceux qui étaient en Afghanistan, ceux qui étaient en Tchétchénie, tout ça. Et donc, c'est super facile. Comment les plus grandes batailles ont été gagnées dans l'histoire? Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie? Vous savez qu'ils n'avaient pu rien faire contre eux. Et le seul moyen militaire qu'ils avaient trouvé, c'était le cheval de Troie. S'immiscer à l'intérieur, ensuite infiltrer et ensuite tuer de l'intérieur. C'est la manière la plus simple pour eux. Et ce qu'ils sont en train de faire. Et donc ils essayent d'éradiquer le peu de Moudjahidine sincère qui reste en s'infiltrant. Ils sont infiltrés déjà. Et ça va être super facile quand vous avez plusieurs ennemis. Ça bombarde par les Américains, par les Russes, par les chiites, par tout ça. Et au milieu, qui c'est les victimes, les vraies victimes? C'est le peuple syrien, vraiment ceux qui comprennent rien ce qui se passe et qui sont musulmans, qui sont sincères, eux. Et ensuite, qui? Les sincères moudjahidines. Voilà. C'est ce qui se passe. Et ne croyez pas que les infiltrés ne sont pas prêts au sacrifice. Ils sont prêts à faire des sacrifices pour Israël. Seul, lorsqu'il a transformé la religion chrétienne, il s'est fait torturer, il est mort comme ça. Il a fait ça pour Israël. Parce qu'il était juif. Il a transformé la religion chrétienne, il s'est fait passer pour un chrétien, il est mort en tant que chrétien, soi-disant. Martyr chrettien. Alors que c'est lui qui a, avec ses lettres de Corentin et toute la clique, c'est lui qui a transformé
la religion chrétienne. Donc ne croyez pas qu'ils ne sont pas prêts au sacrifice. Ils sont prêts à faire de la prison. Ils sont prêts à étudier la science pendant 20 ans. Ils sont aidés par les chiatines pour ça. Ils ont une certaine faculté à apprendre très vite. Ils sont prêts même à se faire torturer, à faire de la prison pour Israël, pour l'établissement. Parce qu'ils sont convaincus, soi disant, que voilà, c'est Satan qu'en fait qui mérite. J'ai discuté avec des gens, ils sont persuadés que de choses comme ça. Voilà, qu'en fait, Satan, c'est un ange déchu. Qu'en fait, Satan, il était recueilli par les anges quand il était petit. Que je sais pas quoi. Donc je vous le dis tout de suite, j'en profite. Satan, c'est pas un ange déchu. Satan, il fait partie des djinns. D'accord? Et il s'est pris d'orgueil. Il n'y a pas une personne plus pire qui, lorsque vous lui faites du bien, il vous le repart du mal. Alors, ce prophète a laissé avec les anges. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris d'orgueil. Alors qu'à la base, il fait partie des djinns, qu'il n'avait pas resté avec les anges. Donc, il a mérité la condamnation totale, la malédiction. Et il le mérite. Parce que son acte est à la hauteur. Sa condamnation est à la hauteur de son acte. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme il dit aussi Imam Hussein, cher Imam Hussein, le Dajjal, c'est une personne qui est responsable de ses actes. C'est pas quelqu'un qui est une victime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, et qu'en fait, lui, il a rien à voir, c'est juste un acteur du mal qu'Allah il a mis, et lui, il n'est pas responsable, donc quand il va mourir, il va redevenir poussière et je sais pas quoi, il n'aura pas de jugement. Non, le Dajjal, c'est tout le monde est mukallaf, même le shaitan est mukallaf, tout le monde a des comptes à rendre à Allah azzawajal. Tout le monde sait le bien et le mal, tout le monde est responsable de ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas forcé shaitan à pas se prosterner, il lui a dit, prosterne-toi, il a dit non. Et même, il y a une histoire, peut-être elle est véridique, un hadith, il est sûrement véridique. Où une fois, Shaitan a voulu se repentir, et puis voir Moussa, alayhi salam. Il lui a dit, demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, je veux me repentir. Moussa, il est parti voir Dieu. Il a demandé à Dieu, ah Allah, Shaitan, il veut se repentir, Satan, il veut se repentir. Dieu lui a dit, ben dis-lui qu'il va devant la tombe d'Adam, il se prosterne. Allah, c'est très bien qu'il ne va pas le faire. Satan, il est revenu vers Moïse, il lui a dit, je ne me suis pas prosterné devant Adam quand il était vivant, puis je me prosterne devant lui quand il était mort. Voilà. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Donc, Satan, il mérite sa malédiction. Et le Dajjal, il mérite aussi, quand Issa va venir, il va le transpercer, il va fondre comme du sel, mais Issa va pas le laisser, il va le tuer. Et ensuite, il aura des comptes à rendre. Pourquoi? Parce que il a tout fait en. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il savait à l'avance. Donc, il a révélé ça à Mohammed. Mohammed, il l'a. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dajjal est venu et qu'il est forcé de faire tout ce qu'il a fait. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a des sagesses, mais la personne est, comment ça s'appelle? La personne est responsable de ses actes. Et la preuve, c'est que quand Adam il a fait ce qu'il a fait, quand il a fait son péché qui a fait en sorte qu'on est descendu sur terre, est-ce que, pourquoi, si Adam n'est pas responsable, pourquoi il s'est repenti devant Dieu? S'il se repent devant Dieu, c'est qu'il est en partie responsable, même si derrière il y a une sagesse, même si derrière il y a une sagesse divine. Mais il y a la responsabilité, elle reste. Donc, n'écoutez pas tous les ambiguïtés qui servent à essayer d'avoir un peu de sympathie pour le Dajjal. Hein. Le Dajjal, c'est une personne qui est responsable, c'est une personne qui combat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, et il mérite l'éternité en enfer, lui et le shaitan. Et c'est pour ça que dans certains interprètent le verset, quand les gens en enfer vont dire Rabbana arina alladhina arina adallana min al-jinn wal-ins, montre-nous ceux parmi les deux parmi qui nous ont égarés parmi les djinns et les ins. Certains disent que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des deux, c'est au niveau du genre, c'est-à-dire le genre humain et le genre démon. C'est pas deux personnes. Et d'autres disent non, en fait c'est les deux, le Satan et le Dajjal, montre-nous. Parce qu'ils vont égarer une grosse partie de la terre. Et ce tafsir, il est fort. Parce que la réalité aussi le prouve. Dajjal et Satan ont fait un grand dégât dans la communauté, dans le monde et dans la communauté de Mohammed. Ainsi aussi que Gog et Magog. Donc, arrêtez de penser que Bachar est une victime. Arrêtez de penser qu'il y a plusieurs axes qui se confrontent. C'est du vent. Il y a un seul axe contre un autre axe. C'est l'axe du mal qui est divisé en plusieurs filières contre l'axe du bien qui est le nouvel ordre, on peut appeler ça le nouvel ordre mondial du Mahdi. En plus, NOM, le nouvel ordre mondial du Mahdi. Donc ça, en plus, ça les initiales, elles coïncident. Donc c'est cet axe-là, cet axe du pur monothéisme qui se réclame de l'islam. Donc nous sommes musulmans.
hein, et qui se réunissent sur une bannière du tawhid, qui combat une fausse religion, qui est celle du Dajjal, qui est une religion où les discours ornés sont propagés. On essaie de propager le fait d'enlever le désaveu et l'alliance du cœur des musulmans, de faire en sorte que voilà, que vous pouvez considérer en fait que c'est comme si c'est l'humanisme, c'est l'unité des religions. Voilà, c'est un peu ça. Donc méfiez-vous de tout ça, hein. Ouvrez les yeux, méfiez-vous des gens qui infiltrent la communauté mohammedane, méfiez-vous des faux prédicateurs, des prédicateurs qui mentent, et comprenez bien que tous les chefs d'État qui se réunissent au G20, ce ne sont pas eux qui prennent les décisions tout seuls. Il y a un groupe, hein, qui agit dans l'ombre, ce sont les vrais acteurs du mal, ce sont eux, même les autres, mais ce sont en particulier qui prennent les plus grandes décisions. Voilà, parce qu'ils possèdent les outils pour exercer une pression sur les chefs d'État, l'argent, tout ça. Bon, un chef d'État, quand il a un bon salaire, quand il a tous ses biens terrestres, quand il a une belle femme, quand il a plusieurs femmes, quand il peut faire ce qu'il veut, quand il peut exercer de la pédophilie, quand il peut faire tous ses moindres désirs, exercer ses moindres désirs, et ben voilà, il applique les ordres. Et quand vous allez à l'encontre du nouvel ordre mondial, et que vous essayez ne serait-ce de désobéir, ne serait-ce que par une question donnée, eh ben on vous raye de la liste et on vous accapare des scandales et tout ça. Et c'est très dur après à remonter la remonter à la surface. Là, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà. Donc comment s'appelle? Méfiez-vous. Il y a un complot, voilà, je répète, il y a un complot international contre l'islam en Syrie. Voilà, ils s'entendent tous contre la religion de Mohammed sallam, et ils œuvrent pour établir la grande Israël, et ils sont en train de. Et tout ça a été calculé. La Libye, l'Égypte, la Syrie, tout ça. Et si les musulmans ne se réveillent pas et ne décident pas de créer un groupe de sincères et de pieux, et qui ont une certaine, pas besoin de grand-chose, une certaine puissance militaire, ne serait-ce que minime, ne serait-ce que ce qu'on voit chez les moudjahidines, la victoire, elle est très loin. La victoire, elle est très loin. Voilà. Donc, j'invite les musulmans à se réveiller. J'invite les musulmans à se désavouer de toutes les puissances qui ont prouvé leur échec. Toutes les puissances, même musulmanes, tous ceux qui se réclament du djihad aujourd'hui, qui n'ont pas réussi. Qui n'ont pas réussi à sauver la communauté de Mohammed sallam, qui nous prouvent et qui nous poussent à penser qu'il y a de l'infiltration et qui font partie aussi de la toile d'araignée du Dajjal. Voilà. Et qu'Allah subhanahu ouvre nos yeux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pousse ces gens-là à faire plus d'erreurs. Inch'Allah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pousser ces gens-là à exercer encore, à faire encore plus d'erreurs pour qu'on puisse, Inch'Allah, après les dénoncer au grand jour. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته